إخواني الأساتذة أعزائي التلاميذ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سنخصصه لجزء آخر من الأجزاء ديال لابواط اللي هو الجزء التاسع شابيتر ناف مي قبل ما نبداو بغيت نوجه واحد التحية تحية حارة واحد المجموعة ديال المؤسسات اللي احتضناتنا ونشرات الانجازات ديالنا التعليمية وكتشجعنا من أطر وتلاميذ ديال هاد دي المؤسسات اللي بغيت نحييهم اليوم وأقصد ثانوية بن العوام التأهيلية بسيدي جابر إقليم بني ملال Ou la thénaïe de Sigil Massa de Rashidia, ou la thénaïe de Saadiyin de Hilia de Oulad Zeman Iqlim Khadra de Marrakouch Donc aujourd'hui, justement, nous allons attaquer la lecture du chapitre 9. Cette lecture va être un peu longue. C'est normal parce que le chapitre est lent et demande notre attention. Donc nous allons faire la lecture du chapitre 9 avec explication, analyse, commentaires, bien sûr les figures de style, les chants. Alors il n'a rien mangé depuis son déjeuner hier. Cette phrase prononcée dans un soupir suffit pour me réveiller. Donc Sidi Mohamed malade depuis leur sortie au, au souk des bijoutiers. Une pénombre dense, alors la pénombre dense remplissait notre chambre. Ma mère chuchotait. Elle s'adressait à une silhouette indécise, Donc, la silhouette à, euh, réelle, dit Debout au milieu de la pièce. La forme ne bougeait pas. Un vague murmure s'en échappait de temps à autre. Des syllabes dépourvues de sens me parvenaient dans mon lit. Les deux formes, donc bien sûr ici c'est les Lesouida et quelqu'un d'autre, m'abandonnèrent. J'essayai de bouger. Le tambour qui battait dans mon crâne redoubla d'ardeur. Donc ici, le tambour qui redoublait, qui battait dans mon crâne, est une figure de style. Donc il ne s'agit pas d'un tambour, mais tout simplement du bruit que Sidi Mohamed avait dans, euh, dans sa tête. Donc quelle serait la figure de style Le tambour qui battait ici, c'est, on peut dire, c'est une métaphore. C'est comme un tambour. Il se met là à l'ombre des traînées impalpables. De cendres rouges. Une nuée, alors, une nuée, c'est un petit nuage, sahaba, de minuscules tournoya autour de mon visage. Silencieuse et froide, elle transformait le décor qui m'était familier, alors, familier, yemelouf en une atmosphère irréelle. Une douleur sourde se propagea dans mes os et me tira un gémissement. Alors le gémissement, le cri de douleur. Ma mère revint, s'approcha à pas furtif de mon lit. Donc à pas furtif, ça veut dire sans faire de bruit. je suis à pas furtif. De mon lit, se pencha légèrement sur moi et resta dans cette attitude un long moment, si silencieuse qu'elle ne semblait pas respirer. Elle formait devant mes yeux une masse noire aux contours pelucheux. Je m'attendais à la voir s'effilocher, alors s'effilocher y a disparaître progressivement. Et se dissoudre à l'exemple de ces fantômes qui me visitaient par minuit d'insomnie. Alors, l'insomnie ou à l'absence de sommeil. L'insomnie. Elle finit par soupirer. Alors, soupirer, yit Et recula d'un pas. Bien sûr, on peut voir l'état de l'Elezovédat devant la maladie de Sidi Mohamed. Il souffre énormément à cause de la maladie de Sidi Mohamed. « Je suis réveillé, lui dis-je, mais j'ai mal. Cela va mieux, puisque tu me parles. Pourquoi fait-il si sombre? Alors, sombre, il y a noir, obscur. une lampe demandai-je. C'est le soir, répondit ma mère. Je n'ai pas voulu allumer la lampe pour ne pas gêner ton sommeil. Le sommeil ou non. Alors, tu as eu la fièvre toute la nuit. Alors, la fièvre est le humma. Dernière et toute la matinée. Mes yeux n'ont pas cessé de couler. Alors, de couler ici, si c'est pleurer. La lazoubida n'a pas cessé de pleurer. Hélas, mes larmes ne peuvent soulager ta souffrance. J'ai faim. Voilà une bonne nouvelle. Louange à Dieu. Je vais te chercher un bol de bouillon. Elle me quitta un moment. Le bol de bouillon qu'elle m'apporta resta sur mes genoux quelques minutes. Rien que l'odeur de la nourriture me soulevait le cœur. Soulevait le cœur. Ma mère m'exhorta en vain à y goûter. Alors exhorter, c'est encourager, toucher giro à y goûter. Alors en vain, bidoni j'ai natija. bidoni la tige, elle m'avait soutenu le corps à l'aide de coussins. La pièce roula, tanga, fut emportée à travers l'espace. Tournant sur elle-même, subissant la loi immuable des astres et des météores. Ma mère eut juste le temps de rattraper le bol qui commençait à se répandre sur les couvertures. Se, se répandre, un était de feu. La soupe était de, de feu. Elle a les couvertures, malmantate. Et m'allongea avec d'infinies précautions. Alors, d'infinies pré précautions ici, c'est une. Euh, hyperbole. Les battements de tambour sous mon crâne s'exaspéraient. Donc là, c'est bien sûr l'hyperbole. Les objets, peu à peu, ne partaient plus à la dérive. Ma mère vint s'asseoir, non loin de mon lit, sur un matelas très bas. La femme du fabricant de charrues l'interpella. Alors, interpellé, il y a aïta Zubida, comment va Sidi Mohamed? Couvre-le bien et donne-lui à boire du thé chaud. Sans doute a-t-il attrapé froid. Donc, nous allons retrouver dans cette partie tout un champ lexical de la maladie. Bien sûr, Sidi Mohamed est malade, donc il y a tout un champ lexical de la maladie employé par le narrateur. Fatma intervint de sa fenêtre. Je crois plutôt qu'il souffre d'une insolation. Alors l'insolation, hier d'Abd ça vient du soleil. Il faudrait lui entourer la tête d'écorce de citron, l'écorce de citron, madoc khorshadiel citron. »« et de feu de menthe, la menthe ou Vous avez peut-être raison toutes les deux, mes sœurs. Mais si Dieu ne daigne pas soulager ses souffrances, tous mes soins resteront Superflu. Alors, superflu, ça veut dire J'essaierai tous les remèdes. Alors, les remèdes, il les jette pour hâter la guérison de mon enfant. Hâter, il a accéléré. Uragile. accéléré Pour hâter la guérison de mon enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie? Alors, le narrateur est encore malade. Son état inquiète les Zoubida qui ne sait pas quoi faire. Les voisines lui donnent des conseils pour rater sa guérison. Alors dominance du champ lexical de la maladie, la tonalité dominante bien sûr est. Mon père s'annonça à la porte d'entrée de la maison. Il arrivait plus tôt que d'habitude. Bien sûr, chaque fois que le malim rentre chez lui. Euh, plus tôt, il y a un problème. Donc, ceci annonce que quelque chose ne va pas. Pendant qu'il grimpait l'escalier, ma mère s'empressa d'allumer la lampe à pétrole. Là, c'est un geste très, très louable. Le, le, les Ovédas, dès qu'elle entend le mahsûslem arriver, elle court allumer la lampe. le geste, il le il Là. Notre chambre fut inondée de lumière jaune. Mon père entra. Il vint se pencher sur moi. Ses orbites, alors les yeux là, creusaient deux trous noirs dans un visage qui me parut pâle et fatigué. Donc le deuxième indice qui montre que quelque chose ne va pas. Le visage de Malmöslam -Mal annonce quelque chose de mauvais. Il me toucha doucement le front. Hocha la tête et me tourna le dos sans rien dire. Donc imaginez, le -e qui a laissé Sidi Mohamed malade n'a rien dit. Quel, au moins quelque chose pour consoler Sidi Mohamed. Ma mère disposa la petite table basse pour le dîner. Ce fut, je crois, le dîner le plus triste de leur vie. Donc là, c'est hyper beau. Et bien sûr, c'est la phrase. De, du narrateur adulte. C'est Hans Feu qui parle. De mon lit, donc regardez, le narrateur ne va pas rejoindre la table, donc il va rester, il va prendre le rôle d'un spectateur. Il va suivre la scène entre son père et sa mère. De mon lit, j'apercevais le plat de faïence brune. Je n'arrivais pas à identifier la nourriture qui s'y trouvait. Je savais qu'il y avait une sauce au safran, des légumes et de la viande. L'odeur du safran me donnait des nausées. Bien sûr, euh, me donnait des nausées. Euh, Tatarény, très. Donc, verras euh, c'est le dégoût. Mon père et ma mère, chacun abîmé dans ses pensées, ne mangeaient pas, ne parlaient pas. Donc, regardez, chacun abîmé des, dans ses pensées. Al-Malim Absalam pense, les pense, mais il ne pense pas à la même chose. Chacun pense à un problème différent. Ne mangez pas, ne me parlez pas. Le chat de Zineb surgit de l'invisible, donc, à l'invisible, bien sûr, nous fait penser, nous fait réfléchir sur l'introduction du chat sur scène. Alors, ça peut être quelque chose de réel, ça peut être quelque chose d'imaginaire. Donc, c'est le narrateur qui a euh, imaginé euh, cette euh, séquence pour une raison que nous allons voir tout à l'heure. Savons ça à pas feutrer de la table. regarde les formes immobiles des deux convives. Là, c'est une comparaison. Donc, euh, c'est une métaphore. On a comparé les et le malheur à deux convives, les convives au mode Alors pourquoi Parce qu'ils ne mangent pas, ils ne parlent pas. Et miaula d'étonnement, il miaula timidement d'une voix plaintive. Là, on commence la personnification des Serrant sa queue entre ses pattes de derrière et rentrant son cou dans ses épaules. Son miaulement s'étouffa dans l'atmosphère comme dans un tampon de coton. Donc là, c'est une comparaison. La frayeur s'empara de lui. Alors, la frayeur, c'est la grande peur. Le chat a énormément peur. Il a beaucoup peur. Il écarquilla ses yeux jaunes, rabattit ses oreilles en arrière, cracha un horrible juron et s'en alla tout poil dehors. Cracha un horrible juron. On peut dire que c'est un. C'est une hyperbole. Et là justement, on peut imaginer ce que pourrait dire un chat dans cette euh, situation. Alors, le chat est certainement euh, venu attiré par l'odeur de la nourriture. Ou lorsqu'il est venu, il a vu le climat dans lequel ou la qui régnait dans la maison, et bien sûr, au lieu de manger, il est parti en courant après avoir Cracher un Alors, on peut dire un euh, ici, c'est une insulte. Et s'en alla tout poil dehors. Mes parents n'avaient pas remué le petit doigt. Donc, pourquoi Parce qu'ils n'ont rien vu. Donc, si Mohamed, qui était en position de spectateur, il a tout vu, n'avait pas ouvert la bouche. Une angoisse de fin du, du monde s'appesantit sur toute chose. Donc, là, c'est l'hyperbole. Une angoisse de fin du monde ça sur toute chose, je fondis en sanglots. Alors les sanglots, on bah, va les pleurer, vous qui, Sidi Mohamed Alors justement, la réaction de Sidi Mohamed explique pourquoi le chat a été introduit sur scène. C'est pour nous dire que même un animal ne pouvait pas supporter cette scène. Bon. Alors le, ch le chat est venu... Poussé par son instinct de manger, mais quand il a vu la scène, il a euh, quitté donc les lieux sans rien manger. Il est parti même en colère et euh, à toute vitesse. Donc, Sidi Mohammed, donc, le narrateur voulait dire que euh, même un chat, même un animal, ne pouvait pas supporter cette scène. Voilà pourquoi il a commencé à pleurer. Mon père se secoua de sa torpeur. Alors, la torpeur, je ai dit qu'il y a de la il y a de la somnolence, il y a la calme terrible. Alors, bien sûr, pourquoi Parce qu'il est triste, il a un problème, il est en train de réfléchir. Et me demanda Où as tu mal, mon enfant Tout haut que tant, je lui répondis Je n'ai pas mal, mais pourquoi ne parlez-vous pas Nous n'avons rien à dire, repose-toi et ne pleure plus. Ma mère se réveilla à son tour, prit la table et se dirigea vers sa cuisine. Elle revint les mains chargées du plateau, Sénia, et des verres pour le thé. Elle trouve mon père debout, se préparant déjà pour dormir. Donc, d'habitude, dans la famille du narrateur, il y a le dîner et juste après le dîner, il y a le thé. Mais c'est une habitude qui sera rompue aujourd'hui. Tu ne prends pas de thé lui demanda ma mère. Non. Et dorénavant, tu feras attention à ne pas trop gaspiller ton sucre. Et dorénavant, petit de lion, tu feras attention à ne pas trop gaspiller ton sucre. Suis-je une femme qui gaspille Telle n'est pas ma pensée. Je veux simplement te dire qu'à partir de demain, il ne sera difficile d'avoir du thé, du sucre et du thé tous les jours. Donc il va... Expliquer ce qu'il a dit tout à l'heure. Alors, telle n'est pas pensé, n'est pas ma pensée. Je veux simplement te dire qu'à partir de demain, il sera difficile d'avoir du thé, du sucre et du thé tous les jours. Ma mère devint toute pâle. Donc, imaginez. même ben, Mubslam a voulu éviter la réaction violente de sa femme. Voilà pourquoi il a choisi de transmettre le message de la ruine à travers un conseil. Mais malheureusement, ce conseil n'est pas... Euh, le message n'était pas bien décodé parce que l'El-Ezouida a cru que c'était un reproche. Et il a commencé à se défendre. Suis-je une femme qui gaspille Alors ma mère devint toute pâle, j'ouvris grand... Mes yeux pour ne rien perdre de la scène. Donc là, c'est le deuxième indice qui montre que le narrateur est un simple spectateur de la scène entre son père et sa mère. Elle posa le plateau, se redressa, regarda mon père bien en face. Je pressens un grand malheur. Je pressens. Dit-elle d'une voix brisée. Mon père resta silencieux. Les paupières baissées. Regardez la réaction de Malmemsl. Il est silencieux, il est calme. Brusquement, un claquement sonore. Là, c'est un bruit. On va voir de quel bruit s'agit-il. Me fait, me fit sursauter dans mon lit. Me tira un gémissement de douleur. Ma mère s'était appliquée sur les joues ses deux mains avec la force de désespoir. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Elle s'assit à même le sol, s'acharna sur son visage, se griffa, se tira les cheveux sans proférer une parole. Donc on peut remarquer que l'Allazouvida a une réaction violente. Un Mon père se précipita pour lui retenir les mains. Donc même le musulman essaie de l'empêcher de faire du mal, de se faire du mal. Ils luttèrent un bon moment. Donc, il, ici, c'est le père et la mère. Ma, euh, ma mère s'écroula face contre terre, donc il est tombé sur son visage. Ô femme, ne crains-tu plus la colère de Dieu? Dis doucement, mon père. Regardez, madame Slam, il parle doucement, il est calme. Et confiance en sa miséricorde. Dieu ne nous abandonnera pas. Ce qui nous arrive, arrive tous les jours à des milliers de musulmans. Regardez, donc le malin musulman agit en vrai croyant. Donc, il garde son calme et il sait que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Le croyant est souvent éprouvé. Al-Mu'minu Musab. J'ai perdu dans la cohue des enchères au Haïk tout notre maigre capital. on peut dire là que c'est une c'est un euphémisme. pourquoi parce que Mme essaie de dédramatiser. j'ai perdu tout notre maigre capital. j'avais mis de l'argent dans un mouchoir. j'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre croyant le glisser dans ma sacoche. ma mère avait relevé la tête. elle ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continuait. Pourquoi se lamenter, se lamenter et pleurer Nous devons louer Dieu en toutes les circonstances. Alors, nous devons louer, y a remercier. nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Jemir adore. Enfin, ma mère sortit de son silence. Qu'allons-nous faire Je vais travailler. Combien as-tu perdu mon fonds de roulement alors le fonds de roulement je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine donc voilà les indices qui montrent euh, les ennuis matériels de l'ennui matériel de même sans son problème financier premièrement il n'a pas de quoi payer 100 ouvriers qui n'a rien touché. Et deuxième indice, je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. Donc, un juge de Mashakil, un de Bushikhaz ou un de Je pense régler toutes ces dettes et acheter du coton. Les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit Donc, là, c'est une proposition de lel Les marchands ne pourraient-ils pas. Pas te faire crédit, tu es connu honorablement. Honorablement, jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. Donc, pour le Malam faire crédit, c'est comme mendier. Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. Je suis un montagnard et un paysan. La saison de la moisson commence à peine. Moussim al-Hassad. Donc, la saison de la moisson, ou Moussim al-Hassad, commence à peine en embauche des moissonneurs. J'irai travailler aux environs de Fès. Donc, il a décidé, comme solution, de travailler comme moissonneur dans la région de Fès. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade Alors, tu oserais. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade. Alors regardez bien sûr comment le malheureusement va se défendre et défendre son, sa décision. Préférerais-tu mourir de faim C'est le premier argument. Deuxième argument, aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Je serai à deux jours de marche de la ville. Sidi Muhammad ira mieux demain. Fais-lui une soupe à l'amande sauvage. Alors l'amande sauvage y est imija. Couvre-le bien qu'il afin qu'il transpire abondamment. Transpirez, est sué. Aujourd'hui il a moins de fièvre que la nuit dernière. C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Donc là on peut retrouver l'Elézoubida, la femme superstitieuse qui croit que tout ce qui est arrivé à sa famille c'est à cause des des bracelets. Pourquoi ne les vendrais-tu pas Je compte les vendre. Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Devis le ténieux nous reste fidèle, il viendra tous les jours faire les courses, Dans lui à manger, il n'a Personne. Mon père se recueillit un moment. Donc, il médite un moment. Je vous laisserai seul pendant un mois. Donc, l'absence la, 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 de sera d'un mois. Je tâcherai de ne rien dépenser de mon salaire. Il me sera possible de remettre l'atelier en marche dès mon retour. Un grand silence s'établit. « Un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suite. » Donc, vous avez l'énumération et vous avez la comparaison « comme la suite. » On peut voir là donc l'impact de la décision de Malam al sur la famille. Donc, il est... donc, cette décision est accueillie par un grand silence. « J'étouffais fait, je désirais de toutes mes forces qu'une porte claquât, qu'une voisine poussât un cri de joie ou un gémissement de douleur, que quelque événement extraordinaire survint pour rompre cette angoisse. Je voulais parler, dire n'importe quelle sottise, mais ma gorge se serra et une plainte expira sur mes lèvres, une plainte. Ch mes parents ne bougeaient pas, se transformaient peu à peu en personnages de cauchemar. Donc, Sidi Mohamed ne voit plus ses parents comme avant. Ils sont devenus des cauchemars. Plus j'écarquillais les yeux pour les voir, plus ils devenaient fluides, insaisissables. Alors, insaisissables, Tantôt transparent, chef fin, tantôt d'un noir agressif. Mais. Sans contour précis. Pour la première fois, j'eus la sensation du vide absolu, de la solitude sans miséricorde. La miséricorde y a Mon cœur se remplit de peine. Alors la peine, c'est la tristesse, elle huzn Une boule dure se forma dans ma poitrine, gênant ma respiration. Donc là, c'est une métaphore. Je fermais les yeux. Je priais avec ferveur. Je me sentais abandonné aux portes de l'enfer. Une très, très belle hyperbole qui traduit le sentiment du narrateur. Je me sentais abandonné aux portes de l'enfer. Non, je n'ai pas encore oublié ces instants. Seigneur, je me souviens, je me souviens de cette solitude vaste comme les immenses étendues des planètes mortes. De cette solitude où le sang meurt sans écho, où les ombres se plongent, se prolongent dans les profondeurs d'angoisse et de mort. Donc là, vous avez une comparaison. Et le cœur qui saigne, là, c'est l'hyperbole. Alors, Qalb Yenzif. source intarissable de peine, torrent surchauffé par les feux de mes chagrins et de mes douleurs. Cri de ma chair écrasée sous le poids de ta malédiction. La malédiction, il l'a. Je n'étais qu'un enfant, Seigneur. Je ne savais pas que le jour naissait de la nuit. Qu'après le sommet de l'hiver, la terre sous la caresse du soleil, donc la caresse du soleil, c'est une personnification. Alors, euh, sur, euh, sous la caresse du soleil, donc là, c'est une personnification. Souriait toujours la personnification de toutes ces fleurs, bourdonnait de tous ces insectes, chantait par la voix de ces rossignols. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie De son lit, le narrateur suivait la scène entre son père et sa mère. Son père devait annoncer à la mère son sa ruine. Une scène très pathétique où les Zubida, très malheureuse, essayait de persuader son mari de renoncer à l'idée de quitter sa famille pour aller travailler comme moissonneur, mais en vain. Cette décision plongea le narrateur dans une profonde méditation. Mon père nous quitta le surlendemain à l'heure, bien sûr, donc il va partir pour la campagne. Il partit. Pour tout bag avec pour tout bagage alors cette phrase précise qu'il n'y avait pas beaucoup de bagages donc c'est un voyage mais c'est un voyage qui va durer un mois mais ma euh, malgré ça donc même Islam -e -e n'a pas apporté beaucoup de bagages alors d'abord il y a une sacoche de berger en palmier nain donc de berger il y a des serres, en palmier nain il y a des dont il avait fait l'acquisition l'avait l'acquisition ou l'achat « Chiré »« Rtine »« Une faucille neuve » Alors, on peut se demander pourquoi de la caractérisation à de l'adjectif qualificatif « neuve ». Justement, c'est pour nous dire qu'il n'a jamais exercé le métier. Et « un, Et un sac en toile » Donc, il y a trois objets. « La sacoche »« La faucille » ou « Un sac en toile »« Dites-le tout » avec une fermeture à coulisses, fermeture à coulisses, il y a sens là. ma mère l'avait confectionné, donc c'est les Zobida qui a fabriqué ce sac, dans un morceau de haïk de coton, et l'avait bourré de provisions, bourré, c'est remplir, donc on a vu une énumération, une sacoche de verger, une faucille neuve et un sac en toile, et on trouve là une autre énumération des provisions. Les provisions, on va le ma'ouna, Alors, olive noire, ziton khal, figue sèche, shéha, farine grillée et sucrée, là, c'est une périphrase qui désigne du slow, deux pains parfumés à l'anis, alors, euh, deux pains chez euh, Juge rosette parfumés à l'anis, l'anis oua, et dit Kachala. Donc, Kachala ou Alors, donc, l'auteur, intervient pour apporter des précisions, la définition de Kachala. Nous appelons ainsi des petits pains ronds, sucrés, parfumés à l'anis et à la fleur d'oranger, donc la fleur d'oranger ou Mazhar, et décorés de grains de sésame, les wajjlans. Donc, là, c'est une euh, périphase. J'étais réveillé quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ prostré. Donc, Sidi Mohamed a tout vu, a tout entendu. Donc, il était réveillé il était dans son, dans son lit. Donc, prostré sur son lit, le visage caché dans ses deux mains. Alors, cette euh, description bien sûrement, montre la tristesse de Lelezoubida, qui n'a pas quitté le lit, il restait prostré, plié sur son lit. J'ai eu la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. Bon, aussi bien pour Sidi Mohamed que pour sa mère, le départ du père était un événement triste et malheureux. Donc, euh, regardez, j'ai eu la sensation que nous étions abandonnés. Alors, c'est comme si eh, le mal al avait abandonné, que nous étions devenus orphelins. Alors, orphelin un a un Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels. Donc, tout le monde, ici c'est une hypervole, pas tout le monde, mais les voisins, de nos ennuis matériels, ou le elle me dire, et du départ de mon père donc rien ne se cache il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire plus humiliante que le pire mépris donc la famille du narrateur a toujours été la meilleure à la et aujourd'hui ils seront sujet euh, de, euh, de cette pitié des voisines et c'est une pitié qui n'est pas correct elle est parce qu'elle est plus humiliante donc, mouhina ou donc si Mohamed n'aime pas cette pitié cette shafaqa. mon père parti nous restions sans soutien sans défense donc on peut voir déjà que le narrateur euh, sent qu'il va perdre quelque chose qu'il va perdre le soutien qu'il va perdre la euh, défense, bien sûr, donc il y a 100-100. Le père dans une famille comme la nôtre représente une protection une, occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. Donc là, bien sûr, Ahmed Sfawi rappelle la valeur du père dans la famille marocaine. Et ce qui montre que c'est Ahmed qui parle, justement, il y a le présent. Le père, dans une famille comme la nôtre, représente une protection occulte. Occulte, il y a secrète. Khafiyah. Point n'est besoin qu'il soit riche. Mais Son prestige moral, donc bien sûr, sa présence, donne la force l'équilibre l'équilibre L'assurance, et la respectabilité, les gens vous respectent. Oui. Mon père venait seulement vous venez le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. Regardez bien sûr ce que Sidi Mohamed a compris. Donc là, il essaie d'expliquer pourquoi le Zoubida était dans cet état. Je comprenais ce qui tourmentait, tourmentait, dérangé, gêné, usage. Ma mère, ce matin, dans la lumière du jour à peine naissant, elle se rendait compte dans le très mardiella de son cœur, que ses préparatifs seraient vain. Alors, donc, Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur la suave odeur du travail, la suave, la belle, ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Bon, regardez l'importance du père dans la famille. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force. L'aventure, la sécurité et la paix. Donc, on retrouve bien sûr certaines valeurs du Père pour le narrateur. Donc, il y a la force, bien sûr, sa présence dans la force, sa présence dans l'aventure, et bien sûr, la sécurité, l'amen et la paix. Alors, bien sûr, l'élément nouveau ici, c'est l'aventure. Alors, pourquoi et en quoi le Père constituer l'aventure, c'est très facile, parce que le mal -im -im sortait régulièrement, alors que Sidi Mohamed et Zoubida sortaient rarement. Donc, le soir, il pouvait leur raconter toutes les aventures qu'il a vécues ou bien qu'il a vues dans, euh, en ville. Il n'avait jamais quitté sa maison, les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre, donc, mal -im -im n'a jamais été absent à la maison, de la maison et aujourd'hui va s'absenter pendant un mois. donc les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse. hideuse, ici c'est euh, un adjectif qualificatif qui signifie sale, mauvaise. la maison se réveillait peu à peu saluer le soleil et ses bruits familiers. Bien sûr, là, c'est une personnification. La maison se réveillait peu à peu. Alors, à la rigueur, si on s'arrêtait là, on, on va dire tout simplement, c'est une métonymie. Donc, la maison qui se réveille, c'est-à-dire les gens de la maison qui se réveillent. Mais, on a un verbe qui nous dit, attention, ce n'est plus la métonymie, c'est la personnification. Parce que la maison ne salue pas. Saluer le soleil et ses bruits familiers. Alors, les bruits familiers, « familier, yém l'ouf, habituel. Je me sentais mieux ce matin. Je m'assis dans mon lit. Ma tête ne pesait rien sur mes épaules. Mes bras n'étaient agités d'aucune fièvre. Donc, Sidi mère a commencé à se rétablir. M'dati, voilà. bras. Ma mère, dis-je, est-ce que c'est long à moi? Alors, imaginez donc la question posée par un enfant de 6 ans à sa mère, est-ce que c'est bas ma mère se secoua de sa torpeur, donc la torpeur on l'a déjà expliqué il dit que la rafoua, il y a une regarda à droite puis à gauche, comme pour reconnaître l'endroit où elle se trouvait et me fixa avec des yeux étonnés l'élazouida va éprouver beaucoup de sentiments et là justement il y a l'étonnement as-tu parlé ici de Mohamed alors, pourquoi l'étonnement Parce que le croyez croyait que Sidi Mohamed était malade et incapable de parler. Oui, maman, je te demande si un mois est lent. Donc, regardez, la même phrase est posée directement, donc au discours direct et au discours indirect. Je te demande si un mois est lent, c'est le discours indirect. Un mois dure un mois, mon fils, mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. Là, c'est l'hypermor. Alors, Éternel Khalid avait Je sais attendre. Toi, tu ne sais pas. En Toi, tu ne sais pas encore. Ou plutôt, tu l'as su autrefois. Mais tu as dû oublier. Ma mère parut abasourdie par cette réflexion. Regardez la réaction de Léla Elle, elle, elle parut abasourdie, donc choquée par cette réflexion. Alors, la réflexion ici, c'est les paroles de Sidou Muhammad. Qu'est-ce que tu attends? J'attends d'être un homme. Toi, tu n'attends plus rien, puisque tu es une grande personne. Je me tue, c'est le verbe se taire au passé simple, sket un moment avant de jouer. Quand tu étais une petite fille, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Tu as attendu d'être une femme pour réaliser tes projets, acheter des vêtements dont tu avais envie, sortir avec l'Aïcha, ton ami. Préparer les plats que tu aimes manger. Moi, je mange ce que tu me donnes. Je ne sors jamais seul. Je porte souvent des chemises qui ne sont pas à ma taille. Alors, l'étonnement de ma mère grandissait. Pourquoi le lazouida était plus étonné qu'avant Alors, tout simplement à cause des propos de Sidi Mohammed. Et dans ses propos, il y a des reproches. Sidi Mohammed fait des reproches. À sa mère, il parle comme un adulte. Elle ne savait quoi me répondre. Elle me considérait avec curiosité. Considérer ici, c'est regarder. Euh, Calmement, je murmurais, quand je serai un homme, je porterai de belles lave-blanches qui seront lavées tous les jours. Je mangerai tous les matins au moins une livre de beignets, donc Sidi Mohamed adore les beignets, très chaud avec beaucoup de beurre, parfois avec du miel. J'aurai 40 chats qui m'obéiront toujours. Ils ne feront jamais de saleté dans les coins. D'ailleurs, nous habiterons une autre maison avec un bigaradier. Alors, le bigaradier, dans la cour. Un sourire éclaira le visage de ma mère. Donc, le but de Sidi Mohamed est atteint. Il a réussi à soulager sa mère. Donc, il a réussi à semer le sourire et la joie euh, chez euh, sa mère. On peut se demander pourquoi l'Allezouvida a souri. C'est à cause du rêve de Sidi Mohamed. Et on peut dire aussi que c'est un sourire de soulagement. Parce qu'elle avait peur avant. Jamais ta femme n'acceptera de veiller sur ton troupeau de chats. Je ne me marie pas. Toi, tu aimes les chats, tu pourras t'en occuper. Elle éclata franchement de rire. Donc, lel a oublié les circonstances dans lesquelles elle était. Et elle a éclaté de rire. Donc là c'est euh, L'Ellezobida ne se contrôle plus. Sa gaieté soudain me rendit ma, toute ma confiance. Donc la gaieté de l'Elézoubida a euh, touché, affecté Sidimouham. Je ris plus fort qu'elle. Je battis des mains. Ma mère mit son index sur les lèvres et me dit. Que diraient les voisins si t'entendais rire de la sorte le jour du départ de ton père? Mon père reviendra bientôt et nous serons de nouveau très riches. Mais nous n'avons jamais été riches. Si, nous n'avions pas faim, et notre chambre n'est-elle pas la plus jolie de la maison? Repose-toi, mon petit. Tant que je serai vivant, tu n'auras jamais faim, du sais-je mendier. Quelqu'un gratta timidement à la porte. Ma mère se leva. Qui est là dit-elle tout en se dirigeant vers le couloir d'entrée. Suivi un long conciliabule, tout en murmure et en chuchotement, j'entendis finalement ma mère dire d'une voix pressante Entre, Fatma, entre et donne-le-lui toi-même. À moi, il refusera. Il est si entêté. Entre donc, Fatma Bziouya, par, euh, entre donc, Fatma bziwiya apparut. Elle tenait à la main un bol fumant. Ça veut dire très chaud. Alors, bol yizlefa. Bol fumant. Et elle s'approcha de moi, me fit un large sourire et me demanda Comment te sens-tu ce matin frais Je ne répondis rien. Je ne voulais engager aucune conversation avec une femme, avec cette femme qui venait m'amadouer. Alors, amadouer quelqu'un, c'est euh, essayer une stratégie douce pour euh, le faire faire quelque chose. Alors, t'es euh, le Afin de me faire avaler quelques breuvages infect. Le breuvage ici, c'est la soupe. Infect, ça veut dire mauvaise. J'ai préparé pour toi du thé de Alors, le thé de fille, on a du thé de Ne voudrais-tu pas y goûter D'ordinaire, j'aimais le thé de ce potage parfumé à l'amande sauvage. Par principe, je détournais mon visage du côté du mur. Je pensais mettre ainsi fin à toute tentative de persuasion. Alors, Tentative de persuasion, il y a Je la soupe. Ma mère vint au secours de notre voisine. Je suis sûr que tu l'aimeras, cette soupe. Après, j'enverrai Zineb t'acheter un bélier. Je me fis encore prier un moment. Je finis, je finis par me mettre sur mon séant. Alors, le, le séant, c'est. Bien sûr, euh, la partie sur laquelle on s'assoit. Je pris le bol, le humain. Humain, il y a sentir, schmito, d'une narine méfiante, regarder les deux femmes penchées sur moi avec sollicitude et déclarer que je n'aimais pas la soupe piquante. La soupe piquante, il y a Hava. Toutes les deux me répondirent de concert. Et on est ensemble. De concert, ça veut dire ensemble. Avec un, ensemble, avec un ensemble émouvant qu'il n'y avait pas dans, la, dans cette soupe la moindre parcelle de piment ou de poivre. Je regardais ma mère dans les yeux et lui demandais à brûle-pourpoint comment elle pouvait le savoir puisqu'elle n'avait pas goûté à cette soupe. Elle elle tenta de me répondre, chercha sa phrase, s'embrouilla, soupira, leva les yeux au plafond pour prendre à témoin les solives enfumées, et partit se réfugier dans la cuisine. Fatma insistait. « Moi, je t'affirme qu'il n'y a pas d'épices dans ce thé de fille. » D'un geste, je lui collai le bol dans les mains. « Tout le monde sait que le thé de sans épices… » Est absolument immangeable. Alors, mangeable, on peut le manger, immangeable, on ne peut pas le manger. Ce n'est pas parce que je suis malade que tu vas me faire manger de la colle de farine. Là, c'est une métaphore. La soupe est une colle de farine. Fatma perdit patience. Je te dis que c'est bon. Goûte d'abord avant de dire de telles sottises. Prends vite! Je boudais toujours. Alors boudé, il y a, toujours. Fatma devint tendre. D'une voix caressante, elle me rappela, Bonbon acidulé, petit fromage blanc, vermicelle au lait. Je ne pouvais, donc là, ce sont des métaphores. Je ne pouvais pas résister à des mots si câlin, calins chatouillants. Il y a dit, je repris le bol de tête-fille. J'avais passablement faim. Je bus, c'est le verbe boire, au passé simple, cette bonne soupe à grande goulée Je demandais ensuite à ma mère de me débarbouiller. Alors, débarbouiller, c'est nettoyer, le, bien sûr, le visage. Je changeais de chemise, me vêtis. Alors, se vêtir, s'habiller. Alors, je me vêtis de ma djellaba, je me sentais guéri, mais pas encore assez fort pour retourner à l'école. Pendant quelques jours, j'allais jouir. Jouir, ça vient de la joie, de vraies vacances. <sans de la vie> Ahmad m'aperçut à la fenêtre et me salua joyeusement. Louange à Dieu, Sidi Mohamed, te voilà rétabli. Nous étions bien inquiets à ton sujet. Promets-moi de ne jamais tomber malade. J'en perds la pitié. Je « Le jure par Dieu et par les, euh, ses saints vénérés qu'Allah vous conserve, toi et tes les tiens, en excellente santé. »« Rahma, qu'il vous donne bonheur et prospérité, » répondit ma mère du fond de sa cuisine. Rahma s'accouda à la grille de sa fenêtre, décidée à poursuivre le dialogue. « Amin, ô ma soeur Zoubida !» Est-ce que Sidi Abislam est parti ce matin? Je l'ai entendu descendre l'escalier. Oui, il doit être déjà loin. Dieu vous le ramènera sain et sauf. Rahma s'adressa à toute la maison pour déclarer: Les temps deviennent durs pour les pauvres gens que nous sommes, mais sachant louer Dieu dans la joie comme dans l'adversité. Donc, a c'est une comparaison. puis pour toute réponse, quelqu'un éternua très fort au rez-de-chaussée. Il éternua trois fois, puis se moucha avec conviction. Le bruit de ses narines me rappela de le son de la trompette du ramadan. J'éclatai d'un rire joyeux. Ma mère me prit par les épaules, me ramena vers mon matelas. Elle me conseilla d'une voix ferme de m'allonger. Je n'étais pas encore assez fort pour me livrer à des, des excentricités. Je devais rester au lit. Elle me recommanda de réciter quelques versets du Coran. Afin de ne pas oublier tout ce que j'avais appris et pour attirer la bénédiction sur notre maison, la bénédiction Waveda, et sur la tête de mon père, parti vers. La... Je m'installais sur le matelas, l'air renfrogné. Renfrogné, ça veut dire boudeur. Je n'avais pas envie de réciter des versets du Coran. Je n'avais plus envie de rien. Donc, attention, attention. Sidi Mohamed va plonger dans des sentiments de dégoût, d'amertume et de tristesse. J'écoutais une oreille distraite les, pop les papotages, donc les papotages c'est le bavardage ordinaire des femmes de la maison. Je ne prêtais aucune attention à leurs propos. Les propos ici c'est les paroles à Malgré le soleil, tout me paraissait sombre. Sombre, et y obscur. La saleté des murs que j'apercevais par notre fenêtre me dégoûtait, donc sentiment de dégoût. Enfin, ma mère servit le déjeuner. Le menu se composait de deux beignets qui m'étaient destinés de beurance ou de d'olives noire et d'une botte de radis, cadeau de Fatma Bzouya ou plutôt de son mari, Mohamed le jardinier. Donc, regardez, bien sûr, ici, on peut voir que la famille du narrateur sont devenues misérables. J'entamais un beignet. Il devint dans ma bouche pâteux et sans goût. Donc d'habitude, d'ordinaire, Sidi Mohamed adore et se régale des beignets, mais là, donc il n'a pas aimé ce euh, beignet, donc c'est un sentiment de dégoût. Je le mâchais, le remâchais, je finis par l'avaler sans plaisir. Alors il a perdu le goût. La table débarrassée, ma mère posa à même le bois une petite théière, alors des mailles dont nous ne nous servions jamais et deux verres. Fini le plateau. Sans plateau, sans bouilloire dans la pièce, sans le rituel habituel de, qui présidait à la préparation du thé. Donc, est, tout est fini. Donc, vous avez la négation ici. Une impression de dénuement, de misère, de, de flottait dans l'atmosphère. Seul, donc là c'est bien sûr une, une énumération, sans impression, une impression de dénuement flotté dans l'atmosphère, euh, seuls les ménages misérables procédaient de la sorte. À mes réflexions, ma mère répondit qu'elle ne pouvait plus passer son temps à faire briller le plateau, laver les verres, astiquer la théière d'état. Donc là c'est une Qu'allait-elle donc faire de son temps Je ne savais. Après, le, après déjeuner, ma mère me recommanda d'être bien sage, prit son heikh et partit rendre visite à Aïcha, son amie. Elle avait tellement de choses à se dire. Je me souviens encore des heures affreuses passées à attendre. Donc là, c'est le sentiment de souffrance, bien sûr sans oser me mettre à la fenêtre, réprimant l'envie que j'avais de courir dans l'escalier, alors réprimer, il y a ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ De sauter, donc il, il est, il, donc il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, de sauter au soleil sur la terrasse, je jetais un coup d'œil dans ma boîte à merveilles, ce n'était plus une boîte à merveilles, mais un cercueil gisait l'épitoyable cadavre de Mérère. Donc c'est très important. Alors depuis le départ de son père, la vie du narrateur a complètement changé et il plonge dans un monde négatif, plein de tristesse, de solitude, de dégoût. Et bien sûr, même la boîte à merveilles qui lui tenait, lui tenait compagnie ici, elle est devenue comme un cercueil. Je fis une atroce grimace, les voisines ne devaient pas m'entendre pleurer. Je me mouchais dans un vieux chiffon qui traînait par terre. Couché sur le dos, je contemplais fixement les taches scameuses qui constellaient les murs de notre chambre. Elle ne bougeait plus, elle organisait autrefois en mon honneur des balais à ravir les yeux. Donc la personnification d'Yel les tâches sur le mur. Alors, regardez, il y a autrefois, on va voir tout à l'heure maintenant, ça veut dire qu'il y a un changement et un changement négatif. Je passais des heures à suivre les évolutions de ces formes changeantes. Maintenant, elles n'étaient plus que des tâches figées qui me donnaient des nausées. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire Que le narrateur a perdu son aptitude. À imaginer. Il ne peut plus imaginer. Mon cœur se mit à battre, donc euh, me donner des nausées, c'est le sentiment de dégoût. Mon cœur se mit à battre de tristesse, d'angoisse, de dépit et de colère. Regardez l'énumération des sentiments négatifs. Il battait surtout de peur. Malgré les discussions des voisines, le bruit familier des petits balais de Doom, familier ou habituel, ma'louf, les crépitements des étincelles, les ronflements des soufflets, les soufflets au ma'a'vabouz, J'avais peur, donc, euh, épuisé par mes larmes silencieuses, j'ai fini par, donc, regarder, j'ai euh, su, su, souligné en vert tous les sentiments négatifs, qui traversait le narrateur. Je finis par m'endormir. Quand ma mère revint, j'avais de nouveau la fièvre. Elle me couvrit chaudement, s'assit à côté de mon lit et pleura longtemps. Elle chantonnait doucement, s'interrompait de temps à autre pour se moucher. Reprenait son murmure, le soir, elle ne prépara pas de dîner, elle se coucha tôt. J'avais de la peine à m'endormir. Je m'agitais dans mon lit, me tournais, me retournais sans réussir à sombrer dans le sommeil. Brusquement, l'orage se déchaîna. Le vent fonça sur la maison avec des hurlements de fureur. Donc là, c'est l'hyperbole. Les portes claquèrent au milieu des gémissements, des pleurs et des chouintements de la rafale. La rafale, c'est le vent. S'éleva un chant timide de flûte Ce n'était pas une flûte humaine, semblable à ces roseaux à sept trous qui font danser les fantômes à la lumière des étoiles, c'était à n'en pas douter quelque instrument d'une matière luisante et froide, forgé sans bruit au fond des eaux par un djinn atteint de démence. Elle parlait. Un langage à la fois déchirant et suave, parfois incompréhensible, grimaçant, maléfique, parfois d'une nostalgie farouche. farouche. Donc il y a bien sûr euh, la personification il y a aussi l'énumération. Il y avait des appels, des supplications, alors les supplications ont été soulettes, j'ai trouvé le verbe supplier, des reproches, itèves. Des rires d'hyène, alors c'est une métaphore, rire d'hyène et personnification. De longs cris de douleur, des mots d'amour et des phrases de colère. Le vent riait, jouait avec les portes, les cognait de fureur, personnification. Pour conjurer ces forces obscures, je récitais trois fois la sourate de l'unité, sourate. Ahad. tremblant de tous mes membres j'enfuis mon visage dans un coussin je finis par m'endormir ma vie s'écoulait dans deux mondes opposés donc Sidi Mohamed va commencer à vivre dans deux mondes le monde du jour et le monde de la nuit donc ma vie s'écoulait dans deux mondes opposés contraires le jour je subissais toutes les contraintes, les obligations. Je prenais part à des drames que je ne comprenais pas. La nuit me servait d'appât à des monstres, à ces monstres, l'appât Tom. Me lancer dans le vide de ces abîmes me faisait don de fruits que mes mains ne pouvaient saisir. Vie double, semée d'embûches, alors les embûches, moi les obstacles, la de mirage, salable, de farce, euh, mais à laquelle je finis par m'habituer. Je n'agissais pas, je subissais. Donc, chaque fragment du devenir couvait une parcelle du mystère. C'est une métaphore. Les instants... Se succéder avec chacun sa charge, sa charge de joie, hélas, trop éphémère. Alors éphémère, Aja, éphémère, Lia, et pas Salam. Avec son poids de peine qui imprimait dans ma chair sa meurtrissure, au gré de l'humeur des uns et de la fantaisie des autres. Mes jours me paraissaient sombres ou radieux, mes nuits un havre de repos, c'est une métaphore. Euh, un, donc un havre, c'est un petit euh, port, euh, un lieu de torture, un moment de félicité, le douloureux calvaire des âmes damnées de toute éternité. Alors, damnées, yemel -um. Ceci me donna par la suite le goût de l'aventure, à savoir le goût de la mort. Je mourais chaque soir pour renaître instantanément dans un univers sans dimension. C'est le monde du rêve. Je ressuscitais alors. Je ressuscitais chaque matin pour retrouver le soleil, le chant des moineaux, le pain, le blé et la fraîcheur de l'eau douce. C'est une énumération. Le pain et l'eau avaient bon goût et je me réjouissais d'être sur une terre où il ne manquait pas. Cependant, dans les heures de chagrin et de solitude, il me paraissait amer, moire, fade, dur pour mon gosier trop étroit. Le gosier ou à la gorge? Bien sûr, je préférais le jour à la nuit. Les jours, en principe, se tenaient, obéissaient à la logique du temps, se succédaient en apparence bien en ordre. Les nuits enfantaient des personnages. Alors, c'est une personnification. Et on peut dire même une allégorie. Des sites, des événements, lesquels créaient leur espace et leur temps. Mes parents, les voisins, les enfants du CID, le maître et sa baguette de cognacier habitaient la terre ensoleillée, mais il m'arrivait la nuit de les rencontrer. Donc il peut les rencontrer dans la réalité et dans la, le rêve. Dans des pays lointains privés de lumière, dans des sentiers hérissés de dangers, nos rapports souvent n'étaient plus les mêmes que pendant le jour. « Maintes fois, plusieurs fois, j'essayais de les éviter. Mes efforts s'avéraient toujours vains. » Donc, il voulait essayer de les éviter, mais il ne réussit pas. « Je ne pouvais leur échapper ni dans ce monde ni dans aucun autre. Il leur était donné de me choyer, alors choyer yagate, fchou, ou de me tourmenter selon leur bon plaisir. Plus tard, je me défendrai maintenant. Je n'étais qu'un enfant, un enfant couché en chien de fusil. Là, c'est une métaphore. Qui ronflait discrètement. Alors, ronfler, yetishrova. Ronflait discrètement alors que tous les hommes étaient déjà partis au travail. Donc ronfler, y dormir. Alors que toutes les voisines avaient déjà procédé à leur Ma mère me réveilla. « Sidi Mohamed, tu es mal couché, tu vas attraper le, le, le torticolis. J'entrouvris péniblement mes paupières. Le jour inondait notre chambre. Lève-toi et va faire tes ablutions. Alors, les ablutions au mal au dos. Pendant ce temps, je vais te faire cuire un œuf. J'aime beaucoup les œufs à l'huile, avec du piment rouge et du persil. Piment rouge, ou et du persil. Je sais, je mettrai du piment rouge et du persil et même une pincée de cumin. Cette phrase n'échappa pas à l'oreille de Rahma. Elle se mit à la, sa fenêtre et cria, nous appelons ce plat une omelette juive, l'omelette d'Elihoud. C'est délicieux. Alors c'est bon. Ma mère répondit Regardez, les femmes sont très curieuses et, bien sûr, elles écoutent même ce qui se passe dans les chambres des autres. Si le est encore malade, il a des envies comme une femme enceinte. Alors, là, c'est une comparaison. Euh, il a des envies. Aniti Toutes les voisines se mêlèrent à la conversation. Les unes riaient, les autres faisaient des vœux pour mon prompt rétablissement, a la l'Agile. Tant Kenza, la Chouafa, raconta un de ses souvenirs, elle avait connu une jeune femme enceinte qui, un jour, se rendant au bain, avait vu dans une boutique de laitier de beaux fromages blancs. Elle désira en goûter. Mais le laitier, un avaricieux, Bachil, un disciple de Satan, le Satan ou le refusa de lui offrir, de lui en offrir la moindre miette, miette, il y a la petite, le petit morceau. L'enfant arriva au monde quelques mois plus tard. Sur son ventre se détachait bien visible un morceau de fromage blanc. J'ai vu, tu Tante avait vu, de ses yeux, vu heureusement. Dit une voix, dans la moindre ironie que, euh, sans la moindre ironie que le morceau de fromage ne pendait pas à 100 francs ou à l'une de ses jours. Dévis le à paul appela de la porte d'entrée. Ma mère lui demanda de patienter une seconde, à patienter Yitzna. Elle allait descendre. Elle coupa un gros quartier de pain, courut. À sa cuisine, l'enduire de beurre rance, On de Melha, empaqueta dans un papier graisseux une poignée d'olives noires et s'engouffra dans l'escalier avant de remonter. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette troisième partie? Alors, depuis le départ du père aux environs de la ville, la vie du narrateur et sa mère a complètement changé. Ils sont devenus pauvres. La misère, la tristesse et le dégoût ont envahi la maison. À cela s'ajoute le sentiment de solitude. Pourquoi la solitude Parce que les oublis s'absentaient très souvent. Il a perdu son aptitude à imaginer. Donc, Si Mohamed ne peut plus imaginer comme avant. Sa boîte à merveilles s'est transformée en cercueil. Nash le narrateur vivait dans deux mondes différents, celui de la nuit et celui du jour. Elle emprunta le seau de Tante Kinza, le remplit d'eau du puits, alors le puits Wulbir, et grimpa péniblement les marches. Donc, péniblement, difficilement, à À la porte de notre cuisine. « Trônez depuis toujours la jarre d'eau potable en terre porose. » Justement, c'est une personnification qui a d'abord la jarre, il y a le Java, il y a le Donc, pour l'eau potable, l'eau potable, ou le un chavo. Ma mère y versa le seau, so, le seau so oestal. Elle revint vers moi et me dit, « Je vais me préparer, nous allons sortir ensemble. » Nous passerons prendre lel qui nous attend. Aujourd'hui, je t'emmène voir quelqu'un que tu ne connais pas. N'es-tu pas content de sortir un peu Nous allons très loin. Tout en parlant, elle s'enveloppait dans son haïk, serrait son voile, secouait la poussière de ses babouches. Donc, depuis le départ de lal um Sili Sidi Mohammed n'est pas sorti. Elle là, aujourd'hui, c'est une chance de sortir avec sa mère. Tu ne connais pas le quartier Qalqiliyin. Tu verras, c'est un joli quartier avec des devs étroits, Znakedaiyirin, qui descendent en pente, des maisons au plafond peint et un ou deux figuiers, alors karmat, qui sortent des murs et se penchent sur la ruelle. Tu aimeras tout cela. Mouche-toi, qu'as-tu fait de ton mouchoir? Mouche-toi donc. Je tournais en rond à la recherche de mon mouchoir, je le découvris enfin sous un coussin, tout froissé et collé. Je tirai dessus pour avoir une surface suffisante pour y placer mon nez. Je me mouchai fort, si fort que mes doigts furent tout mouillés. Je jetais le mouchoir et m'essuyais les doigts à même ma djellaba. Nous nous disposions à quitter la chambre quand Fatma Bziwiya interpella ma mère. L'Ella où vas-tu? Donc, on peut voir là que les voisines sont très curieuses. Le Aisha nous a invité à passer la journée avec elle. Elle est si seule. Que devient son mari rue N'a-t-il pas encore répudié la fille du coiffeur? Alors répudié, non, mais je sais qu'il paye actuellement son ingratitude. Donc, je n'ai pas l'ingratitude, ou nous, Parce que Moule Larvi a oublié ce que l'Aïcha a fait pour lui. Elle a vendu ses bijoux et ses meubles. Pour l'aider à ouvrir un nouvel atelier. Envers lel donc l'ingratitude Guna Nokan El-Jamil, sa belle famille lui rend les jours amers, l'accuse de laisser sa jeune femme souffrir de faim. Ma mère enleva son voile qui la gênait pour parler, la maison était toute oreille. Alors la maison ici, c'est les voisines, donc c'est une métonymie. Quelle aubaine Alors l'aubaine, il y a la chance, al had Quelle aubaine d'en savoir plus long que les autres. Quelle magnifique occasion de montrer à toutes ces envieuses, Mhzadine, dans quelle estime la tenait l'Elisha. Elle lui confiait tous ses secrets. À la fin, elle laissa entendre qu'elle en savait beaucoup plus long. Mais, que les convenances soient lui interdisait de tout révéler. Nous partîmes enfin. Je marchais devant, dévorant des yeux les étalages. Donc là, c'est une hyperbole. Arrivé à Sidi Ahmed Tijani, alors hadda c'est un mausolée, c'est un marabout. ma mère se dirigea vers le tronc aux offrandes, les offrandes de Moual dont chaque marabout. Il y a une place où on laisse les offrandes, le jette moi le verbe offrir. Dans un mur couvert de mosaïques s'ouvrait un trou à hauteur d'homme. Surmonté du gris en bronze, en bronze ouvragé, ma mère ne déposa aucune offrande, bien sûr, parce qu'elle est misérable dans le trou. Elle y introduisit simplement sa main, frotta. Sa joue contre la boiserie qui l'entourait et murmura une vague prière. J'étais trop petit pour atteindre le trou. Je collai mes lèvres sur la mosaïque froide du mur. Cette manifestation de respect pour Sidi Ahmed fit plaisir à ma mère. Viens, mon petit œil, et qu'Allah te préserve de tout mal, me dit-elle. Je la suivis. Nous fîmes quelques pas, un marchand de poivrons et de tomates, alors le fulfla omatesha, poivrons il y a le felfla, poivrons et de tomates, s'était installé dans l'angle d'une ruelle. Il exposait par terre ses légumes en petits tas bien ordonnés de forme pyramidale, harami, forme pyramidale, comme une pyramide. Donc là, on peut dire que c'est une métaphore. Combien vends-tu de tes tomates lui demanda ma mère. Elle se courba, tata par ci, toucha par là, mélangea poivrons et tomates, sema le désordre, le marchand furieux, alors furieux, il y a en colère, lui répondit que cette marchandise n'était pas à vendre, surtout à une cliente aussi ennuyeuse. Très digne, ma mère se leva et lui conseilla de ramasser ses ordures, s'il n'avait pas l'intention de les vendre. On ne devait pas permettre à des feignants, feignants merguez, de cette espèce d'encombrer la rue et de gêner la circulation. Elle allait sûrement continuer sa diatribe, sa colère, mais je m'emparai de sa main et la forçai à me suivre. Nous abandonnâmes le marchand secoué de colère. À notre gauche se dressait un portail, mon mental orné de clous et de marteaux de bronze, d'un très beau travail. Et mais, mais, dis-moi, à qui appartient cette maison? Ce n'est pas une maison, c'est un bureau de, de chrétiens. Je vois des musulmans y entrer. Il travaille avec les chrétiens. Les chrétiens, mon fils, sont riches et payent bien ceux qui connaissent leur langue. Ici, c'est la langue française, bien sûr. Est-ce que je parlerai la langue des chrétiens quand je serai grand? Dieu te préserve. Regardez l'image que la majorité des familles marocaines avaient de la langue française. Aussi bien dans la boîte à merveilles, dans les œuvres de Ahmed Sfewi, que dans les œuvres de Dries Shaimi. Dieu te préserve, mon fils, de tout contact avec ces gens que nous ne connaissons pas. La rue Zankat Hijama s'ouvrait à main gauche, face à l'ancien marché aux esclaves. Dès l'entrée de la maison, ma mère appela les laïcha et nous souhaita la bienvenue. Ahbat Bina. De sa chambre du deuxième étage et nous pria de monter. Elle nous attendait assise devant sa bouilloire, alors la bouilloire ou le qui lançait des jets de vapeur. La chambre offrait l'image de la désolation. Alors la désolation ici, c'est la tristesse. Donc la maison de lazouida inspire la tristesse. Elle suait la misère et l'ennui. Donc là c'est une personnification. Je l'avais connu en des jours meilleurs, donc si Mohamed est déjà venu dans la maison de Lalla avant euh, la ruine. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, il se sent dégradé. Plus de crottins sur les matelas, plus de carpettes aux couleurs gaies, les étagères en bois, de bois peint avec leur cargaison de bols de faïence. D'assiettes décorées avaient disparu. Donc, beaucoup de choses ont disparu de la maison, surtout les meubles et les ustensiles aussi de cuisine. L'horloge laissait à sa place une tache claire sur le mur. Le nombre des matelas n'avait pas changé, mais ils étaient bourrés de crin végétal au lieu de laine. Le crin s'était tassé les matelas étaient froids et durs. D'ailleurs, toute la pièce paraissait froide et dure. Une sorte d'angoisse imprégnait l'atmosphère. Alors, l'angoisse, al -qalaq. La maison me parut morte, personnification. Les locataires silencieux se tenaient, tapis sans aucun doute, dans les coins les plus sombres de leur pièce. Un petit chat miaulait désespérément sur la terrasse il avait dû miauler pendant des jours, sa voix saignait à chaque appel. Donc là c'est une hyperbole, sa voix saignait. Le prépara le thé et le servit dans un petit plateau de cuivre jaune aux gravures effacées. Donc, donc nous s'acquittait de ses devoirs d'hôtesse avec beaucoup de dignité. Personne ne disait rien. Chacun de nous trois poursuivait son, rive, euh, son rêve particulier, s'absorbait dans ses pensées. lel rompit le silence. ksarat Samt, donc remplit le silence. Nous irons plutôt dans le quartier Sfa. Le frère de Kalkili est en voyage dans le Djvel. Il paraît qu'il a encore de la famille dans un village perdu. Sidi Larafi que nous irons consulter est aveugle. Ah, donc je tiens les renseignements de Khadouj lahouia qui l'a consulté deux ou trois fois. Elle m'a affirmé que tout ce qu'il lui avait prédit, alors prédire, il y a dire ce qui va arriver, c'était réalisé point par point. J'ai de l'espoir. Zubida, avec l'aide de ce voyant, je suis sûr d'atteindre le but. Alors, je répète, j'ai de l'espoir, Zoubida, avec l'aide de ce voyant, je suis sûr d'atteindre le but. Et le but, bien sûr, de l'Ellaisha, c'est de récupérer son mari. Staja Rajlao. Nous sommes de très faibles créatures. Le bonheur est chose fragile. Donc le bonheur, on peut dire, c'est. Une euh... métaphore. C'est comme un objet fragile. Mon nid a été saccagé. Là aussi, c'est une métaphore. Le nid ici, c'est la maison, c'est le foyer. Saccagé, il y a détruit. Très bien. Très je n'aurai de repos que le jour où il redeviendra ce qu'il était. Donc, c'est toujours l'Elaïcha. Ma mère hochait la tête. Moi, je soupirais parce que je savais que dans de telles circonstances, il convenait de soupirer. Le silence s'établit de nouveau. Ma mère dit enfin :« Lellaïsha, j'ai moi aussi grand besoin de conseils. Je tremble pour ma maison, pour mon mari, pour mon fils. Quand la colère de Dieu se déchaîne sur les gens pauvres comme nous, donc là c'est une comparaison, elle les réduit. » en cendre. C'est une hyperbole. Les personnes qui savent nous sont d'un secours précieux. Si Arafi a bonne réputation, bonne réputation, il nous aidera sûrement. Il est permis à l'esclave de faire ce qui est en son pouvoir pour remédier à sa misère. Ensuite, il doit s'en remettre à son seigneur pour l'accomplissement de ses desseins. Alors les dessins, on mais le but, les buts. Ayant confiance, ayant confiance, il y en a des déo, de qui n'avait rien perdu de son non-bon point, s'arracha péniblement du sol, prit son haïk. Voilà ce qu'il faut retenir de cette dernière partie. L'Elaïcha, emmène met le narrateur visiter Ahmed Tijani. Et elle se dispute avec un marchand de légumes avant de se rendre chez Lella Aïcha. Sur conseil de cette dernière, les deux femmes ont décidé de visiter Sidi Larafi, un voyant aveugle, Chouaf Ama, pour demander conseil. Les deux femmes, bien sûr, pourquoi est-ce qu'ils voulaient euh, visiter Sidi Al-Arafi Parce que les deux femmes étaient abandonnées par leur mari. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que vous étiez patient parce que l'explication est longue mais il vaut mieux bien sûr parce que le chapitre est très important. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et recommandez ma chaîne aux élèves que vous connaissez, aux, à vos amis et aux personnes de votre aux élèves de votre lycée. Au revoir.